Les clients de la 103 à la 33, ils adorent cette table. Et vous me mettez 4 personnes à la 35. Mon rôle en tant que directeur de la restauration au Burgundy, c'est tout d'abord être garant de la qualité de service envers nos clients. Pour vous donner un exemple, je suis tous les midis à l'accueil du restaurant pour pouvoir accueillir les clients avec nos hôtesses et pour pouvoir créer une relation et fidéliser la clientèle. L'équipe de restauration au Burgundy Paris est composée d'une équipe à part entière au restaurant Le Baudelaire, avec un directeur de restaurant, des maîtres d'hôtel, chefs de rang et sommeliers. Nous avons également une équipe au bar avec une responsable le matin pour des petits déjeuners, des déjeuners et le tea time. Et nous avons une équipe de barman avec son chef barman pour le soir pour une ambiance différente. Nous avons également une responsable événementielle qui s'occupe de vendre notre salon et nos espaces privatifs pour l'hôtel. Mon rôle en tant que directeur de la restauration au sein de cette équipe, c'est avant tout de faire en sorte que les équipes soient complètes. Donc il y a une partie recrutement, mais le recrutement ne s'arrête pas là. Une fois que l'on a trouvé les bonnes personnes, il faut assurer la formation pour que le niveau de service qui est appliqué avec ces nouvelles recrues soit à la hauteur des exigences du Burgundy Paris. Pendant ma journée de travail, j'ai énormément d'interactions avec les différents services de l'hôtel, donc le service technique, la conciergerie, le housekeeping, pour organiser toutes les demandes liées à la restauration. Le poste de directeur de la restauration est un poste qui demande beaucoup de passion pour le service, qui demande aussi de la patience parce que l'on gère des équipes, on gère de l'humain. Donc il faut avoir aussi cette patience, mais c'est un métier qui sait récompenser les personnes motivées en tout cas. Un autre aspect très important de la fonction, ce sont les commandes et les relations avec les fournisseurs. C'est un aspect financier. Je suis en charge de la mise en place des budgets annuels. Pour être un directeur de la restauration complet, il faut arriver à allier aussi bien le côté qualitatif avec le client que le côté relationnel avec le client et également faire évoluer ses équipes.